12 millions de Français traités chaque année avec des opioïdes. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Il a doublé depuis 2004. Dans notre pays, de plus en plus de patients se voient prescrire ces antidouleurs très puissants. Ces faits inquiètent les spécialistes, car pris à haute dose, les opioïdes peuvent être dangereux. Dans le risque, c'est les risques d'overdose. Ils existent, c'est rare mais ils existent. Ce sont les problèmes de respiration, d'arrêt cardiaque, de difficultés aussi en aigu. Ça c'est pour les jeunes. Mais il y a d'autres risques, c'est le fait d'être appétent, d'augmenter les doses de ce type de produit, de se retrouver à un moment donné dépendant. Théoriquement, le traitement par opioïde n'a pas vocation à durer. Ces médicaments doivent être pris quelques mois seulement maximum. Mais problème, ils sont souvent prescrits trop systématiquement. Alors pour éviter ce genre de dérive, il faut sensibiliser et organiser un suivi médical étroit. Ça passe déjà par s'assurer qu'à chaque fois le traitement a été prescrit à bon escient, que l'ensemble des informations de base sont déjà communiquées. Il faut qu'on reste quand même vigilant. On a vraiment besoin d'avoir ces produits-là qui ont leur place dans l'arsenal thérapeutique. On doit s'assurer qu'ils sont bien prescrits, bien dispensés et bien utilisés. Et ensuite, que les professionnels de santé, tous, médecins et pharmaciens, idéalement de concert, se sensibilisent sur ce problème de danger de dépendance aux opioïdes pour définir ensemble des modalités pratiques d'action et de réaction. Entre 2014 et 2017, le nombre d'hospitalisations et de décès à cause de ces médicaments a plus que doublé dans notre pays. Aux États-Unis, l'overdose par opioïdes est même devenue la première cause de mortalité devant les armes à feu.